Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 25 sur Far Cry 5, j'allais dire sur Dragon Ball, mais non, nous sommes pas sur Dragon Ball. Dragon Ball U! Et bah les gars, il est temps d'aller affronter. Putain, pourquoi je suis censé prendre l'hélico? Il est temps d'aller affronter Joseph Seed. Ça me ferait chier de le buter, mais écoutez, hein. On va voir, hein. J'y n'y connais point à la fin. Alors, c'est parti, prenons l'hélicoptère. Ok, il reste 300 mètres, nous y sommes sur cette fameuse putain d'île où on n'est jamais allé d'ailleurs. Je vous parlais combien qu'on va dans une église. C'était pas étonnant. Cinématique. L'agneau ouvrit le cinquième sceau, et j'aperçus sous l'autel les âmes de ces martyrs, tuées à cause de la parole de Dieu. Tu as fait des miens des martyrs. Et je suis prêt à faire la même chose au tien. Oh putain! Mais Dieu. Mais non! Ils sont possédés les autres derrière! Serve. Et il nous jugera en fonction. Comme par hasard, quoi. Je t'ai dit que nous vivions dans un monde au bord du précipice, où tous les affronts, toutes les injustices, tous nos choix révèlent nos péchés. Et où nous ont-ils menés? Où t'ont-ils mené, toi? Tes amis ont été enlevés et torturés. Et c'est ta faute. De nombreuses personnes ont été tuées, et c'est ta faute. Le monde est en feu, et c'est ta faute. Ça en valait le coup? Vraiment? Quand te rendras-tu compte que tous les problèmes ne se résolvent pas avec une balle? Quand tu es arrivé ici, je t'ai proposé de faire demi-tour. Et tu as refusé. Dieu m'en est témoin, je te réitère mon offre. Une dernière fois. Dépose les armes. Emmène tes amis avec toi. Laisse-moi mon troupeau. Ah, c'est sympa ça de sa part. Partir en paix? Non mais vous êtes dingue. Vraiment? On n'aurait jamais dû venir ici de toute façon. Tu sais ce que t'as à faire, petit. N'oublie pas. Dieu te regarde. Mais j'arrive pas à savoir si...
Qu'est-ce que je fais, putain, les mecs? S'en aller. Vas-y, je fais s'en aller. Ne juge pas. Tu ne seras point jugé. Infernos! Ne condamne pas. Je le bute pas! Et tu ne seras point condamné. Pardonne. Et ah, parce qu'en fait, je lui fais partage d'écran, il voit en même temps que moi, attendez. Putain d'enculé de merde, va. Emmène tes amis, mon enfant. Partez. C'est bon, tu vois là? Oh, il les laisse vivre. Non mais moi je pense qu'on va quand même le buter. Non, je reste ici. C'est eux qui vont venir nous aider. Vous avez perdu la tête. Dans ce putain de camion. Parfois il faut. Monte dans ce putain de camion. Allons-y. Exact. Du coup, on est plus que 3 là. Non, 4. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse de voir les deux fins. À la limite, je mettrai un gameplay à part. Alors, pas de moi forcément, parce que je vais pas me taper tout le jeu, mais. Là, je dois faire quoi? Là, je dois attendre. Qu'est-ce qui se passe? Sans te manquer de respect. Qu'est-ce que tu fous? Tu vas toujours Infernos? On peut pas laisser ces gens faire ça. Et on va pas les laisser faire. On va jusqu'à Missoula. Là-bas, on chope la garde nationale et on va revenir prendre d'assaut ce putain de Kouara. Non! Oh! Je refuse de participer. On va revenir! Tu vas faire exactement. On va revenir foutre la merde! Droite. Oh non. Mais non. Ça va pas. Ah. Ah, t'es sérieux, mec, il a remis la musique de Jacob. Oh, c'est ça la fin, mon gars. Ah, c'est... Ah, la fin, mon gars. Il remet la musique de Jacob et l'autre, il dit, ça va pas. Ah putain, mon gars, c'est quoi cette fin sans décoller là? Ah, je suis mort. Bon, les gars, par contre, je suis désolé, je suis obligé de passer parce que sinon je vais me faire striker. Très clairement, là, la musique de Only You, non. J'ai pas envie que ça flag là. Putain, c'est un truc de fou quoi. What the heck? Putain. Ouais, continuer. On va faire quand même continuer pour voir ce qu'il y a, parce que bon, on est que à 8 minutes d'épisode. Alors, Infernos me propose de faire la deuxième fois pour voir, mais je sais pas si je peux la faire. Peut-être qu'on peut réaffronter, enfin, entre guillemets, Joseph Seed. En tout cas, aller lui parler, je pense. Il y a écrit quoi sur son dos, là? Glutonide? Glutonie? Qu'est-ce que c'est un glouton? Ah! Rejoignez le domaine du père. Ah bah... On va y aller. Si on peut voir les deux fins. Bon, bon, on peut aller faire la deuxième fin, les boys. On va essayer. Je vais vous montrer, comme ça évitera de mettre un gameplay à part.
Dans ma ton quad, ça. Paf. T'as les capas de foutre devant, tête de mort de putain de... Via de merde. Toi aussi, regarde avant de traverser, connard. Et Infernos qui commente en arrière-plan, vous ne l'entendez pas une fois de plus, mais... Ça pue la transpi, je nage avec Koda. Mais parce que j'aime bien l'appeler Koda, moi. Attends, cheeseburger. Attends, tu vas quand même pas appeler un ours cheeseburger. C'est comme si t'allais appeler Big Mac ou menu Maxi Best Of. Ouais, mais mes couilles sur leur front, ils s'appellent comme ça. C'est vraiment des trous de balle, Ubisoft. Quoi? J'en ai marre de nager. Eh, hey, c'est cool ça qu'on peut faire. On peut faire les deux fins. Du coup, il reste encore tout. Du coup, il reste toutes les quêtes annexes encore à faire. Très honnêtement, je pense pas les faire au final. Hein. Parce que le jeu est tellement pourri que. Voilà quoi. Ouais. Là, la fin avec Jacob, là, enfin la musique de Jacob, elle m'a bien fait marrer. Hein. Putain. Bon, je vais passer quand même la cinématique, là, parce que ça sert à rien. Putain, je peux pas passer. Non. L'agneau ouvrit le cinquième sceau. Non. Non. C'est long, putain. Ah putain, je peux pas passer. À cause de la parole de Dieu. Non. Tu as fait des miens des martyrs. Et je suis prêt à faire la même chose au tien. Eh les gars, vous n'avez pas une impression de déjà vu là? Mais Dieu nous observe. Et il nous jugera en fonction des choix qui sont les nôtres. Je pense que la deuxième fois, on va devoir le buter. Je t'ai dit que nous vivions dans un... Pourquoi on buterait sa famille et pas les autres? Où tous les affronts, toutes les injustices... Mais putain, pourquoi je peux pas passer? D'habitude, tous les trucs, on peut les passer, non? Révèle nos péchés. J'ai beau spammer, là. Ça sert à rien. Et où nous ont-ils menés? Où t'ont-ils mené, toi? Tes amis ont été enlevés et torturés. Et c'est ta faute. De nombreuses personnes ont été tuées et c'est ta faute. Le monde est en feu et c'est ta faute. Ça en valait le coup? Vraiment? Quand te rendras-tu compte que tous les problèmes ne se résolvent pas avec une balle? Quand tu es arrivé ici, je t'ai proposé de faire demi-tour. Et tu as refusé. Mais tu as refusé. Dieu m'en est témoin. Dieu m'en est témoin, je te réitère mon offre. Une dernière fois. Dépose les armes. Emmène tes amis avec toi. Laisse-moi un troupeau et repars en paix. Et repars en paix. Partir en paix? Non mais vous êtes dingue. Vraiment? On n'aurait jamais dû venir ici de toute façon. Tu sais ce que t'as à faire. T'es venu là il y a tout à l'heure en fait. N'oublie pas. Dieu te regarde.
Résistez. Chaque affront, chaque injustice et chaque choix révèle notre péché. Ses yeux, ils ont changé de couleur, mon gars, je vois du feu dedans. Ton péché n'est pas la colère. Tu préfères voir le monde souffrir et brûler plutôt que de ravaler ton orgueil. Quand l'agneau ouvrit le sixième sceau, alors la terre se mit à trembler. Le soleil devint noir et la lune rouge sang. Fuck. Oh putain! Ils mourront pour moi! Oh, 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 oh! Ensemble, nous ne sommes plus qu'un! Aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Laisse-moi te relever! Putain de Joseph Seed. Putain de merde, merci. Allez, on se fait ce connard. Ah. Je prendrai encore plus de plaisir à vous voir chuter. Attends, mais l'autre il a créé une tornade quoi. C'était dingue. Mais je crois que c'est pas fini. Eh, hey, je préfère cette fin. Hein. Bien sûr, tes gardes. Elle est ouf. Il a pas de barre de vie, je suppose que. Recule, démon. Vous m'avez libéré de toutes ces choses. Le péché engendre la souffrance. Non. Relevez. Non, pas prendre. Viens vous chercher. Ensemble, nous ne sommes plus qu'un. Réanimé. Ta bande de minables ne peut rien contre la tempête. Allô, mon arme. Là. Je vais recharger, putain. Oh putain. Oh putain. J'incarne la vérité. Putain de bordel de merde. Les mains d'un groupe sont plus fortes que celles voilà. De la vie. Aïe 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 aïe. Les mains d'un groupe sont plus fortes que celles d'un individu. J'incarne la vérité. Relève-toi. En fait, on réanime tous ceux qu'on a déjà. Avec qui on a coopéré, etc. là, dans les missions. Allez, on sait. Il y a l'autre avec son lance-roquette là. Ça va, bon, il est mort. Ah, il en fallait des balles pour qu'il crève. Hein. Moi, je me prends juste une balle de fusil à plomb. Je commence à souffrir sa race. Pardonne-leur, père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est bon, il est mort. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, le silence se fit dans le ciel. Et les sept anges debout devant Dieu reçurent sept trompettes. Il y eut du tonnerre. Qu'est-ce qu'ils font les autres derrière là? Des éclairs. Ils pointent leur âme sur qui? La foudre. Joseph Seed.
Je vous arrête. Et j'ai entendu une voix forte venant du temple dire aux sept anges... Ah putain, je croyais qu'il pointait les armes sur moi. Et verser sur la terre les coupes de la colère de Dieu. Oh! C'est quoi ça? Bombe nucléaire? C'est fini, mon enfant. Amen. Oh mon Dieu! Putain, c'est une bombe nucléaire! Oh putain, mon gars! Mais ils sont foutus! On est mort! Qu'est-ce que t'espères faire là, toi, de prendre un nuage de... C'est un souffle de bombe nucléaire, quand même, hein. Oh putain, 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 2 minutes! Je dois aller où? T'as vu ça? Où que tu sois, quoi que tu sois en train de faire, fonce tout de suite au bon. Je vais me bouffer des rochers, c'est sûr. On va mourir, on va mourir! On va mourir, on va mourir, on va mourir, on va mourir! Oh, amène-nous au bunker, allez! Oh ouais, casse-toi, toi! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Regarde la route! Oh! Putain, mais elle est tellement mieux cette fin, mon gars! Mais y'a combien de bombes nucléaires? Y'en a une autre qui vient de péter! Oh ha ha! Oh putain! Oh shit! Il est tellement mieux cette fin. Encore. Mais mec, 3 bombes nucléaires. Hop. Pourquoi ça s'est arrêté là? Le compteur était pas fini là. Ah, unité gagnée. On va pas y arriver. On va pas y arriver. Regarde, là. Oh mais non. Ah, on n'est pas mort. Ah si, quelqu'un est mort. Tout le monde est mort. Non. Mais ils sont morts. Je perds connaissance là. Oh putain. Mais non mais... Eh mais ce gars il est immortel ou quoi là? Rejoigne le bunker de Dutch avant qu'il ne soit trop tard. Je crois que c'est fait, il nous y emmène le Joseph. Bon, la fin là, elle est tellement mieux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les politiciens se sont tus. Ça signifie que les entreprises ont été démantelées. Ça signifie que le monde a été purifié par le feu divin. Mais par-dessus tout,
Ça signifie que j'avais raison. L'effondrement a eu lieu. Le monde tel qu'il était a disparu. J'ai tant attendu. J'ai attendu si longtemps que la prophétie que Dieu m'a murmurée à l'oreille s'accomplisse enfin. J'ai préparé ma famille pour cet instant. Et toi, tu me l'as enlevé. Je devrais te tuer pour ce que tu as fait. Mais tu es tout ce qu'il me reste. Tu es ma seule famille. Je savais qu'il allait dire ça, putain. Je savais qu'il allait dire cette phrase. Je sais pas pourquoi. Je suis ton père. Et tu es mon enfant. D'accord. Et ensemble, nous marcherons vers l'Éden. Ah! D'accord. Ok, bon, cette fin-là, elle est pas top. Mais par contre, là, il y a eu beaucoup d'accent pour la fin en général. Ah! Bon, bah écoutez, j'ai préféré largement cette fin. Hein. L'autre était pas top, elle était beaucoup trop courte. Mais elle était drôle. Quand même, elle était pas mal drôle. Musique de Jacob, quoi. Putain. Bon, ben voilà. C'est la fin de ce let's play, les boys. Bah écoutez, hein, j'espère qu'il vous aura plu. Hein, tout simplement. Et je peux déjà vous dire, hein, tout simplement, qu'il y aura le premier épisode de God of War qui suivra juste après. Ou peut-être même entre. Il y aura... de toute façon, il y aura déjà des épisodes de God of War, je pense, entre tous les épisodes. Parce que j'ai tourné énormément d'épisodes. Aujourd'hui, j'ai tourné au moins 7 épisodes, je crois. Donc voilà, je verrai. Bon, bah écoutez, sur ce, les amis, vous connaissez la chanson. Pensez à laisser le petit pouce bleu des familles qui fait super plaisir pour la fin de ce let's play. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, bah écoutez, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du jeu dans les commentaires. Moi, j'ai pas du tout aimé, hein, très clairement. Je pense que ça se sera ressenti finalement dans le let's play, comme quoi je me faisais chier, que ça faisait rager, etc. L'histoire est vraiment banale. Ils avaient prévu du lourd, finalement, pendant l'E3, pendant. Pour les trailers, etc. Mais au final, c'est vraiment un Far Cry très très banal, quoi. J'ai préféré largement le 4, moi. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai préféré largement le Far Cry 4 avec Pagan Min. Là, le 5, il m'a pas plu, quoi. C'est... Ouais, c'était pas top. Bref, bah écoutez, sur ce, les amis, j'espère sincèrement, malgré le manque de fun qu'il y a eu dans le jeu, ça vous aura plu, hein. Et puis, je vous donne rendez-vous la fois prochaine pour le premier épisode ou la suite, finalement, de God of War, si jamais j'aurais eu plus des épisodes entre. Allez, ciao tout le monde, c'était Iconite, and see you next one for the next Let's Play. Oh yeah!